Good morning, Aleiden, les tous aujourd'hui, les Louinishmat, Amram Yona Ben Chana, Piggy Bat Esther, Nissim Ben Aouda, et aussi Nirfuat Rout Bat Claudine Reina, Simcha Bat Masoudi, et Efrat Ma'ayan Bat Léa Betor Shar pour l'Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet et Douyot, Perikhaï Mishnah Vav. Akavia Ben Mahalal El Eid Arbaa Devarim, Amrolo Akavia, Chazor Becha Be Arbaa Devarim, Shaita Omer, Venascha Av Bet Din Le Israël. אמר להם, מוטב לי להיקרא שוטה כל ימיי, ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יהיו אומרים, בשביל שררה חזר בו. הוא היה מטמא, שיער הפקודה ודם הירוק, והחכמים מתארים. הוא היה מתיר שיער הבכור באלמום שנשר וניחו בחלון, ואחר כך שחתו, והחכמים אוסרים. הוא היה אומר, אין משקין לא את הגיורת ולא את שפחה המשוחררת, והחכמים אומרים משקין. אמרו לו, מעשה בקרמית, שפחה משוחררת שהייתה בירושלים וישקוע שמעיה ואבטליון. אמר להם, דוגמה ישקוע, ונידוהו, ומת בנידויו, וסקלו בית דין את ארונו. אמר רבי יהודה, חס ושלום שהקביעה נתנדה, שנה זרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחוכמה ובירת חדקי הקביעה בן מעל על אל. את מי נידו? אלעזר בן חנוך שפיקפק בטהרת הידיים. ושמת שלחו בית דין והניחו אבן על ארונו, מלמד שכל המתנדה ומת בנידויו סוכלין את ארונו. וגמוס למשנה דונק. הקביה בן מעל על אל, כתען דתנאים, העיד ארבעה דברים. אילן ויוסי תמוניה רפורטה אנטמוניאז' סור כתך הלכות כלתה פרסועדה. אילן רוסו דו סמטר כסתה דנסי להלכה. Et que, d'accord, on en reparlera dans la prochaine Mishnah. Ça, de toute façon, il va y avoir une suite en fait à cette Mishnah. On mettra le zoom sur le côté historique plutôt. Pour le moment, on va s'intéresser sur les 4 halakhot. Amrolo. Alors, les Chachamim lui ont dit, de son époque, ils l'ont dit à Akavia. Akavia, Chazor Becha Be'arba Advarim. Reviens, Akavia, arrête de t'entêter à dire que la halakha n'est pas comme ça parce que tu as un témoignage que c'était autrement. Allez, tu vas rapporter des choses en nous disant que c'est comme la halakha, elle doit être blanc, et nous, on tient que la halakha, elle est noire. Donc les chachamim l'ont dit, « Chazor becha badvarim, reviens sur tes paroles, rectifie, dis qu'elles ne sont plus là, reviens sur toi et enseigne la halakha comme nous. » Sha'aita Omer, badvarim sha'aita Omer, ce sont les 4 choses que toi tu disais. « Venasra av bet din Israël. » On va faire que toi, tu vas être le grand maître du Sanhedrin. Ça a commencé là-bas, les pots de vin. Ouais. Viens, Akavia, allez, arrête de t'entêter dans ta halakha, dis que la halakha est comme nous, et je te promets, on va te nommer Avbeddin. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Amar Lahen, il leur a répondu Akavia ben Malalel, Moutav li leikare shote kol yamai, velo le asot shahat racha lifne amakom. Je préfère, Moutav li, vaut mieux pour moi, leikare shote kol yamai, je préfère être le fou de la ville toute ma vie. Je vais être appelé le fou de la vie, le fou de toute ma vie. Velo le asot sha'achat racha lifna makom. Et ne pas être un seul instant un racha, un mauvais devant Hachem. Shelo yomrim, que personne ne puisse prétendre sur moi que bishvil srara chazar bo. Que pour obtenir un bon poste, j'ai été choserbi, je suis revenu sur ce que je pensais. Ouais, la bonne conduite d'un Talmid Chacham. C'est que s'il est persuadé que ce qu'il dit c'est permis, eh ben il va jusqu'au bout de ses pensées. Ah, tout le monde, personne ne va le suivre, eh ben tant pis, on va le renvoyer de son poste, tant pis. C'est là l'allure du le vrai Talmid Chacham. D'accord ? Donc c'est ça le petit côté moussard de la Mishnah. Maintenant, quels sont ces 4 points sur lesquels Akavia ben Mahalal El était en discussion sur Chachamim ? Ouaya metame, c'est arab kuda, vedamayarok, va Chachamim metaharin. Il impurifiait 2 choses. Le Sehar Apkouda, le poil en gage, Picadon, Mélachon de Picadon, Veda Mayarok et le sang vert. Vachachamim Metaharim, tandis que. Donc lui rendait impur ce sang-là, et Chachamim Metaharim, Chachamim rendait pur. Il y a en cela 2 discussions, on va expliquer chacune, c'est un monde différent, en réalité. Sehar Apkouda, on parle là des Ilchot Negaim, la lèpre. Il y a une halakha dans la Torah, il y a une parashat. Tazria, Metzora, plutôt Tazria en fait, on parle surtout là-bas de tous les Nigé Adam, lorsqu'un homme a une tache de lèpre, et tout derrière Chod, qui doit amener un Kohen, le Kohen va vérifier, est-ce qu'elle va s'étendre, elle va se rapetissir. Et il y a plusieurs à la Chod, plusieurs facteurs, qui vont faire que le Kohen va décider ou non
que ce Metzora, ce lépreux, il va falloir le mettre complètement en quarantaine, le sortir complètement du Machané, jusqu'à que sa tâche de lèpre s'en aille. Il y a là-bas une halakha particulière, c'est que un des simané touma, ça s'appelle, un signe que la tâche de lèpre, elle est impure, c'est s'il y a un sehar afar lavan. Il y avait dedans un poil qui était initialement noir, et à cause de la tâche de lèpre qui est en général blanc, bien sûr, alors il y a eu le poil qui était dessus, il est devenu blanc. Dès que le Kohen, il voit que le poil qui était dans la tâche de lèpre est devenu blanc, il rend impur le lépreux et lui dit, ça y est, mouchlat, on te fait sortir complètement du machané. À la différence de celui qu'on a encore en doute, il y a d'Alachot de l'enfermer pendant 7 jours, et le Kohen revient après 7 jours, et regarde où ça en est, est-ce que ça a grandi, ça a rapetissé, c'est devenu plus petit. Tandis que là, dès qu'on va voir que c'est à Rafar Lavad, un poil qui est devenu blanc, c'est fini, on l'exclut complètement du camp, jusqu'à que sa tâche de la part, et puis ensuite il devra faire ce qu'on appelle la Taharat Metzora, avec les deux oiseaux, comme c'est explicité dans Parashat Metzora, c'est la suite. Maintenant, de quoi on parle maintenant du Sehar Apkuda, le poil qui est resté en gage. On parle qu'en fait, il y a quelqu'un qui avait une tache de lèpre. Et sur cette tache de lèpre, c'était une tache de lèpre qui avait eu le poil qui était redevenu blanc. Donc c'était tamé. Donc on l'a exclu complètement. Jusqu'à ce qu'il a guéri complètement, il a appelé le Kohen, on a vu que la tache de lèpre elle était partie. Il reste le poil blanc, ma foi, c'est pas bien grave. Le problème est qu'il revient encore. Et puis, après 3 semaines, il a une tache de lèpre qui revient au même endroit. Et avec le même poil blanc qui était resté blanc depuis la dernière fois. Sans être devenu noir, puis ensuite redevenir reblanchir de nouveau, ce poil-là, il était resté blanc quand la tache de lèpre était partie, et puis lorsque la tache de lèpre, elle revient, il s'avère qu'il y a à présent une tache de lèpre avec un poil blanc. Certes, ce poil blanc était là initialement, mais il était là initialement à cause d'une tache de lèpre. À la différence que quelqu'un qui a un poil blanc et qui a une tache de lèpre en dessous, il va être pur, parce que c'est pas la tache de lèpre qui a rendu le poil blanc. Alors, sur ça, il y a une discussion. Kavya ben Malalel, il était métamé, cette tache de lèpre. Akaba ben Malalel dit, écoute, t'as ici une tache de lèpre avec un poil devenu blanc à cause de la lèpre, même si c'est pas sur ce coup-là, c'est pas grave. Donc c'est tamé, c'est impur. Et Chachamim ils disent, non, ça reste pur parce qu'ils apprennent ça. Vehi afra se'ar lavan, le Bartender rapporte, que Vehi a une insistance. Et elle transformera la tache de le poil blanc. Il faut que chaque Metzora, chaque tache de lèpre, de Tzara'at, qu'elle transforme elle-même le poil blanc, ou le poil en blanc, ou sinon c'est plus considéré comme une tache, comme un poil qui est impur. D'accord ? Ça c'était pour le Sehar du Sehar Apkuda, donc le poil gardé en gage depuis la dernière lèpre. Et le Dam Hayarok, le sang vert, alors là ça se complique un petit peu en fait, pourquoi ça s'appelle vert, mais d'abord, dans la Mishnah, il y a une Mishnah qui enseigne Chamisha Adamim Tumim Beisha. Dans Masechet Nida, il y a 5 sortes de sang qui sont impurs chez la femme. 5 sortes de couleurs. Initialement, à notre époque, dès qu'une femme elle a une petite goutte de sang, quelle que soit la couleur, est-ce que ça tend vers l'orange, ça tend vers le bordeaux, ou c'est du rouge vif, peu importe, on impurifie tous les sangs, on n'est plus bekiim, on n'est plus expert dans la reconnaissance du sang. Lorsque le rave, on amène une femme qui veut faire sa vérification et vérifier ce qu'elle est pure, qu'elle amène chez le rave pour que le rave voie est-ce que c'est du sang pur ou non, ce que le rave regarde, c'est pas quel type de sang rouge c'est. Il va voir, est-ce que c'est du rouge? Parce que il y a des gens qui vont voir du jaune, ils vont dire c'est du rouge. Les gens qui vont voir du marron, ils vont dire non, c'est du rouge. Et la limite entre le marron et le rouge, ça demande quand même de l'expertise. Ça, c'est tout à notre époque, ce que les rabbanim tranchent. Mais dès que c'est rouge, on rend impur. Tandis qu'à l'époque de la Mishnah encore, même de la Gemara, les Amoraïm, jusqu'au début même des Amoraïm, ils savaient encore distinguer les 4 sortes qui sont faites, 5 sortes de sang. On déduit des psukim de la Torah. Et en fait, la Mishnah, elle explicite 5 sortes de sang. Une qui tend vers le marron, une qui tend vers le bordeaux, une qui tend... Et avec un degré exact, même le noir aussi. Un point noir, c'est considéré comme du rouge. Adam, où est la chalaka? C'est du rouge qui est devenu noir, donc ça devient pur, c'est considéré comme du sang rouge aussi. Il y a de là-bas 5 sortes de sang explicitées par la Mishnah. Il y a maintenant, à part ça, quelques petites discussions par-ci par-là, sur des couleurs un petit peu limites. En l'occurrence, une de ces couleurs, c'est ce qu'on appelle le Dam Hayarok, le sang qui est vert. En réalité, on parle que c'est une couleur de Etrog. Et pas un Etrog vert, parce qu'on n'a jamais vu du sang vert, alors là, ça devient assez compliqué. On n'a pas de massorette claire sur ce que c'est. Il y en a qui disent, j'ai déjà vu quelqu'un qu'en réalité, c'était le orange qui était appelé le Yarok, je ne sais pas trop pourquoi. L'Yarok, aujourd'hui, ça se traduit vert. Ouais, Yerek, Yarok, c'est vert en général. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas,
dans la Mishnah ici, le Dama Irok, en fait, on parle d'un sang qui a une couleur de Itrog, qui est en fait une sorte de couleur jaune très violente. Ouais, le Itrog, quand il commence à vieillir un peu, à devenir, il a passé le vert, il a passé le jaune, et puis après il commence à devenir un peu orange comme ça fort. Donc si on trouve une tache de sang de ce type, Akava ben Malalel considérait que c'était une couleur de sang impure, et tandis que Chachamim et Tarim et Chachamim rendent pur. Ça c'était pour la deuxième discussion. Troisième discussion maintenant. Huaya matir se'ar bechor ba'almum shenashar v'nicho b'chalom. Littéralement, il permettait d'utiliser les poils du bechor, c'est-à-dire on va parler de la laine d'un bechor, un mouton aîné, ba'almum, qui a un défaut, shenashar, que le poil il est tombé pendant qu'il était encore vivant, v'nicho b'chalom, et il l'a laissé poser dans un coin de sa maison, sur une fenêtre. Et après, seulement, il a égorgé le Baal Moum. D'accord ? Et après, seulement, il a égorgé le Baal Moum. De quoi on parle exactement ? C'est pas compliqué cette fois-ci. C'est qu'il y a les Ilchot Bechorot. Lorsqu'on a un premier-né, autant qu'il y a le premier-né chez les hommes qui ont fait la mitzvah du Pidyon HaBen, il y a aussi une mitzvah de sanctifier les aînés qui viennent du bétail. Et ouais, gros bétail, menu bétail, et même les ânes aussi. Dans ce cas-là, on va faire le Peter Hamor, Pidyon Peter Hamor. En tout cas, pour un Bechor, donc on va prendre un mouton aîné qui est sorti, le premier qui a ouvert la matrice de sa mère, alors il a un statut de Bechor. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait l'amener en Korban. À notre époque, on ne peut pas faire le Korban, mais il est quand même Kadosh. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le laisse vieillir, si toutefois ça arrive. On le laisse, aujourd'hui on évite d'arriver dans cette situation en fait. On le vend partiellement en shoot foot en association avec un goy, comme ça le Bechor il est pas tôt. Si on l'a pas fait en tout cas avec le Bechor il est né, alors il faudra le laisser vieillir jusqu'à le laisser tel quel, quoi, jusqu'à qu'il va avoir un moum, un défaut qui va le rendre inapte à monter sur le misbéar. Puisque maintenant il est devenu inapte à monter sur le misbéar, on aura le droit de le gorger et de le manger. Maintenant, lorsque ce Bechor vieillit, ça peut prendre des fois très longtemps, jusqu'à qu'il se casse une patte qui va plus se rectifier, qui va avoir un défaut, qui va perdre un petit bout de son oreille, peu importe. Alors, ça prend du temps. Pendant ce temps, bien sûr, vous imaginez bien, le mouton, il va avoir plein de laine. Cette laine-là, elle est interdite à être utilisée. Ouais, tisbar velogiza, tisbar vechaltabasa, il y a marqué tisbar velogiza, vechaltabasa, et pas pour les clavim. Il y a des halachot particulières, il y a une gdusha dans ce bechor. Donc on n'a pas le droit de le tondre. Il faut le laisser pousser avec ses vieux poils. Maintenant, on n'a pas le droit de le tondre. Mais si les poils ils sont tombés d'eux-mêmes, alors, tant que le Bechor, d'abord, il est interdit, il est encore bien, on n'a pas le droit d'utiliser ses poils. Dès que le Bechor est devenu Baal Moum, il a déjà eu le défaut, mais qu'on ne l'a pas encore égorgé, on traîne à l'égorger, s'il a des poils qui lui tombent, alors on aura le droit, en théorie, de se servir maintenant de cette laine-là, et de là, lorsqu'on égorgera le Bechor, alors on pourra même utiliser cette laine. D'abord, précision, lorsqu'on égorge le Bechor, donc qui a eu maintenant ce défaut qui lui tombait, il s'est coupé l'oreille par exemple, alors on a le droit de l'égorger et de le manger. Là, on aura le droit de récupérer, bien sûr, sa peau, et même sa laine, on aura le droit de l'utiliser. Alors, Kaveh Ben Malalel, maintenant, va nous dire, sache que, au même titre que tu as le droit d'utiliser, maintenant, tu vas avoir le droit d'utiliser la laine de ce Bechor, que tu ne vas pas tondre de son vivant, mais qu'une fois que tu l'as égorgé, tu as le droit maintenant de récupérer la laine. Tu as le droit de manger l'animal, et tu as le droit aussi de récupérer sa laine, maintenant, une fois qu'elle a été égorgée. Alors, au même titre que tu permets cette laine, tu pourras aussi permettre la laine qui est tombée de lui lorsqu'il est encore vivant, que ça s'est accroché dans les arbres, et c'est resté comme ça des petits fils, tu les as récupérés, tu les as gardés, et bien quand tu vas égorger le Bechor, tu auras le droit d'utiliser cette laine, elle sera permise. Telle est l'avis de Akavia ben Malalel. Tandis que Chachamim nous disent, non, on interdit. Pourquoi on interdit? Parce que si tu vas commencer à permettre d'utiliser la laine, les gens, ils vont plus se presser d'égorger le mouton. Ils vont le laisser pousser à avoir encore plus de laine, à le faire passer par-ci par-là dans des endroits où il y a des épines, comme ça, sa laine, elle va tomber. Jusqu'à qu'à la fin, les gens vont commencer à se mettre à tondre le mouton, alors qu'en cela, un interdit de tisbar, de l'ogizar, on n'a pas le droit de le tondre. De ce fait, très bien, on dit, la laine qui est tombée d'elle-même, tu n'as pas le droit de l'utiliser, même si elle est tombée après que le bechor ait eu le moum, avant que tu l'égorges, tu n'auras plus le droit d'utiliser. D'accord? Et quatrième discussion, Houaya Omer. En mashkin lo et agioret velo et shifra meshuchreret. On ne fait pas boire, littéralement d'abord, ni une femme qui est une convertie, et ni une femme qui est une servante qui a été libérée, affranchie. Soit
On parle de quoi faire boire? Rachid Barthelmeri nous dit, Enmashkin Mesota. On parle des eaux de la Sota. Les eaux maudites de la Sota. La femme que son mari l'a avertie de ne pas s'isoler avec quelqu'un, et qu'elle a malgré tout on fera l'interdit, elle s'est isolée, on ne sait pas ce qu'ils ont fait l'interdit ou non. Elle dit qu'elle n'a pas fait, le mari pourra la prendre la Mignon Bet Amigdash. Il y aura là-bas tout un procédé, comment faire, pour lui faire faire apporter un petit corban. Jusqu'à qu'à la fin, on va prendre la paracha de la Sota, on va l'effacer dans de l'eau, on va la faire jurer, on va lui faire boire, on va lui faire boire cette eau, on va la faire jurer. Qu'elle a pas trompé son mari, et si elle ment, alors la Torah assure qu'elle gonflera et qu'elle va se décomposer complètement. Ça, c'est pour les eaux de la Sota. Il y a ici une halakha que Akavia nous dit, on ne fait pas boire une guillorette. Une femme convertie, ouais, eh ben on ne la fait pas boire. Elle a pas cette paracha de la Sota qui a été dite sur elle. Idem aussi pour une chifra meshoukheret. On parle que c'était une femme servante, Goya, qu'on a achetée, et qu'on a trempé au mikvé tout ça, donc elle a un statut particulier, tant qu'elle est servante, dès qu'ensuite on la franchit, elle prend le même statut qu'une guillorette, qu'une femme convertie. Et bien on ne les fait pas boire, selon Akavia ben Mahalal, elle, parce que, il déduit ça d'un pasouk, il rapporte le partenariat, au sein de ton peuple, elle sera la honte, la calamité, on la fera jurer, la malédiction. Prat les elu she'enan betoch amer, à l'exception de ces femmes-là, qui ne sont pas, font pas partie du peuple d'Israël initialement, qui ne sont pas betoch amer. Au sein de ton peuple. C'est des gens de l'extérieur qui sont venus se greffer sur le peuple d'Israël. De ce fait, il n'y a plus cette halakha particulière de pouvoir leur faire boire de la sota. Tandis que Vechachamim Omrim, Mashkin. Chachamim nous disent qu'on aura le droit de la. Qu'il faudra lui faire boire les eaux de la sota. Et alors, Chachamim, ils ont apporté une histoire. Amroulo. Chachamim l'ont dit rapporté à. Akavia ben Malalel. Maase bekar mitchifra meshuchreret shaita birushalayim vishkuash maya vatalion. Qu'est-ce que tu nous dis, Akavia ben Malalel, que toi tu as une transmission qu'il ne faut pas faire boire une telle femme? Nous on se rappelle encore, quand on était petit, on se souvient qu'il y avait encore les vieux qui nous racontaient l'histoire que Shmaya et Avtalion, les deux grands maîtres de la génération à l'époque, les maîtres de Hillel et de Shammai, pour vous donner une idée, Shmaya et Avtalion, eux-mêmes, ils étaient là-bas les grands rabbanim de Yerushalayim, et il y avait eu là-bas une histoire avec une Karmite, une femme qui s'appelait Karmite, qui était en fait une et servante affranchie, et qui avait été soupçonnée par son mari, ils lui ont fait boire. Donc tu vois bien qu'une femme meshoukhreret, une esclave, une chifra meshoukhreret, une esclave affranchie, on peut aussi la faire boire. On a nous aussi une transmission. Qu'est-ce que tu nous racontes, tu as une transmission? Amar Lahem, Akavia ben Malalel leur a répondu une phrase un petit peu étonnante. Dougma hishkua. Ils lui ont fait boire une comme eux. Une dougma, c'est un exemple. Le Barthénois, il rapporte deux explications. Je vais rapporter juste le premier qui est plus facile. Ça rentre bien dans la suite de la Mishnah. C'est qu'en réalité, il leur dit Shmaya et Avtalion eux-mêmes étaient des convertis. Et eux, qui viachol, il a dit quelque chose de très étonnant. Il a dit ils étaient convertis. Ils n'allaient pas dire qu'une convertie, on ne va pas la faire boire. Shmaya et Avtalion, c'était les deux grands maîtres d'Israël. Et il faut savoir que c'était des convertis. Ils étaient initialement goy. Ils sont devenus yodim. Les juifs, ils ont étudié la Torah tellement fortement que c'est devenu les deux grands maîtres de la génération. Vous imaginez la force quand ils sont étudiés la Torah. Eh ben, eux, par rapport à cette halakha, il a dit une phrase étonnante, il a dit par rapport à cette halakha de ne pas faire boire des convertis, ils se sentent un petit peu frustrés. Donc ils l'ont quand même fait boire. Et Chachamim, ils se sont fâchés, Venidou, et Chachamim lui ont fait un nidouille, ils l'ont mis en quarantaine à Akavia ben Malalel, interdit de lui adresser la parole, de rentrer dans ces quatre discussions parce qu'il a osé parler mal des deux Gdolé Ador. Met Benidouyo, et il a fini par mourir en situation de nidouille. Et alors quoi? Vesaklou Betdin et Arono, et le Betdin a pris le corps, le lit de Akavia ben Mahalalel, et ils l'ont lapidé. En réalité, on va voir de la fin de la Mishnah qu'il ne s'agit pas de lapider vraiment, de le jeter d'une falaise, mais tout simplement de prendre une grosse pierre et d'aller la poser. De la poser sur le Aaron, de manière à ce que lorsqu'il va marcher dans le rue, les gens vont dire « Oh là là, c'est un cas particulier là qui est en train de se enterrer. » D'accord ? « Amar Rabbi Yehuda, il a rétorqué, il a dit « Chas v'shalom shakavia nitnada » Impossible de dire une chose pareille que Chachamim ont mis en idouille, ils ont mis en quarantaine à Akavia ben Malalel. Pourquoi ?« Shen azara ninenet bifne kol adam Yisrael bechokhma ou biratret ki Akavia ben Malalel » D'abord, sans en traduire dans les mots, ensuite on va expliquer de quoi on parle. Akavia ben Malalel, c'était l'homme le plus tzaddique, le plus juste, le plus humble possible, celui qui avait le plus de Yirat Shamayim, de crainte du ciel, de tout le peuple d'Israël. Plus précisément, il y avait un moment dans l'année où tout le peuple d'Israël se retrouvait en ce moment dans l'enceinte du Beth Amikdash, qui était à l'époque lorsqu'on apportait le Korban Pessah.
deux l'apportant, trois kitot, peu importe. En tout cas, on faisait entrer tout le monde et on fermait la Hazara. Et alors là, c'était les grosses rencontres. Tout le peuple d'Israël quasiment était là, à part les quelques retardataires qui allaient passer au deuxième et troisième groupe. Mais le premier gros groupe, c'était là-bas, les grandes retrouvailles, c'était le premier groupe. Et leur dire, Rabbi Yehuda, vous vous rendez compte, quand la Hazara, elle était ninelet, quand on fermait là-bas les portes du Beit HaMikdash, parce qu'il fallait faire entrer le premier groupe et fermer les portes, quand on faisait entrer le premier groupe, c'était l'homme le plus pieux de tous ceux qui étaient là-bas. On s'en souvient encore, tout le monde a cavé et tout le monde tremblait devant la Gdusha de cet homme-là, et de la Hirat Shamaim, la Nava de cet homme. Et vous êtes en train de dire que Chet Ramim, ils ont fini, et au final, ils l'ont mis en idouille, en quarantaine, Chas v'Shalom. Vous vous êtes trompé d'histoire, il y a une autre histoire, mais je vous propose de faire cette suite de l'histoire pour demain, étant donné que demain, on aura une Mishnah relativement facile. Donc, ça permet d'équilibrer les deux chiourim, Bezrat Hashem. Et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Selah.